C'est très bon, de cuisine. Hein. Qu'est-ce que vous préparez cela? Le premier plat est du tourteau avec de l'avocat et de la tomate séchée et huile d'olive de Provence. Le deuxième plat, un foie gras poêlé au raisin confit. Et le troisième, c'est le dernier, c'est l'œuf friand au caviar et saumon fumé. Friand au caviar, voilà. C'est normalement, au Monaco. Voilà. Et c'était le menu du jour ou... C'est le menu, c'est les plats qu'il y a à la carte tous les jours. Tous les jours, oui. Non, oui, c'est les plats qu'il y a toujours à la carte. Et de combien d'années vous travaillez à la métropole? Depuis 2004. 2004 avec Monsieur Robuchon. Et Robuchon, Monsieur Robuchon, je l'ai connu après l'école hôtelière, quand j'ai commencé mon métier. Où a fait appris votre métier? À Paris. À Paris. À l'école Jean Drouin. Et après, j'ai rencontré Monsieur Robuchon en 1977. Et ton papa était aussi en cuisine? Exactement. Mon papa était hôtelier, restaurateur, relais château en Bourgogne, à Tonnerre, dans l'Yonne. Et le vin de Jean-Louis, c'était bon? Meilleur du monde. Merde. Le meilleur du monde. Il avait petit déjeuner avec vous, c'est ça? Exactement, à Tonnerre, oui. Des œufs ou de... Avec les parents, le Chablis. Et quelle cuisine vous préférez? J'aime la cuisine mijotée, la cuisine simple. Je fais par exemple une joue de veau fondante et avec bien sûr accompagnée de la purée Joël Robuchon, c'est très délicieux. Et aussi un arroz bomba, mélange Italie et Espagne. Vous avez une cuisine japonaise aussi, hein? Il y a un restaurant Yoshi avec un chef japonais. C'est depuis 3 ans, oui. Il marche très bien et c'est très de vous très le, vous le grand chef et de sous-chefs combien? 6 sous-chefs. 6 sous-chefs. Parce qu'il y a 7 points de vente, 7 restaurants dans l'hôtel. Ok. Well, now I talk with him. Lucien, ja, dus voor jou een opkikker dat je me zomaar in de keuken Ja, zeker. Ja, Jean-Louis is ook een goede vriend van ons. Ja. Dus, wat ga je maken vandaag? Nou, we gaan natuurlijk in de geest van Thierry, die heeft een mooie rosé meegenomen met een klein beetje hout. Gaan we een mooie tong. He, de tongen bij ons zijn veel beter dan bij hun. Il est premier de si, il dit. Is dat zo? C'est la meilleure, la 800 grammes, c'est la meilleure taille pour oui. Bien déguster la sole. Mais la France, c'est... Nee, de tongen die het beste voor ons zijn, zijn tussen de 600 en de 800 gram. En die heb ik hier bij me. En die gaan we strippen, knippen, grillen. Dus, en dan doen we er wat zeevruchtjes op. En dat gaan we lichtjes stoven met Thierry olie. Want hij maakt ook 1000 flesjes olie. Meer maakt hij niet. Olief. Want om zijn druiven heeft hij ook nog de olijfbomen. Ja. En 800 flessen gaan naar een andere kok, Alain Ducasse. En 200 gaan er naar mij. Dus, en daar ben ik hartstikke blij mee. En dat gaan we vandaag even klaarmaken. Oké. Well, you prepare the food. Et nous mangeons après. Avec plaisir. Oui. Merci. Et maintenant...